Alors bonjour à tous, je vais vous montrer en moins de 3 minutes comment faire la vidange de votre tondeuse de façon simple et efficace, à point et c'est tout. Donc ce que je vous conseille c'est de commencer par la démarrer pour que l'huile elle tente de chauffer et soit plus fluide. Alors vous allez voir que c'est particulièrement simple sur une tondeuse. On a 2 ou 3 points essentiels, on a l'endroit où on met le carburant, l'endroit où on trouve le filtre à air et ici l'endroit où on met de l'huile. Donc l'important c'est d'avoir la sortie d'huile de notre côté, en tout cas là où on va faire basculer la tondeuse. Ensuite la première chose à faire c'est dévisser ici, en tout cas de trouver le compartiment où le filtre à air se cache. Ici on l'enlève et on va en profiter pour le nettoyer et surtout on va l'enlever pour éviter que du carburant vienne en retournant la tondeuse se mettre sur le filtre à air. Donc le mieux c'est de bien le frotter, bien le nettoyer comme ici. Et si vraiment il est encrassé, hein, ce qui est le cas quand on ne le nettoie pas souvent, c'est carrément de le faire tremper dans de l'essence, à condition de bien le rincer ensuite. La deuxième chose à faire, c'est de trouver 2 bouteilles d'eau dans votre sachet de recyclage, identiques si possible, vous allez comprendre pourquoi. Je les coupe ici au même endroit pour faire un entonnoir. Voilà, la deuxième identique. Donc, pour l'arrivée d'huile. C'est bien par le même endroit qu'on va faire sortir l'huile usagée et qu'on en remettra ensuite. On prend notre morceau de bouteille hein, qu'on vient de couper et on vient incliner la tondeuse jusqu'à faire sortir l'huile. Voilà, donc c'est pas toujours évident, hein, mais en tout cas ici on est un petit peu en hauteur, vous pouvez faire ça également sur une table. Non, j'enregistre une vidéo, Claude. Ah. Oh putain, elle est noire. Hein. Elle est très noire, oui. C'est pour ça qu'il faut la vidanger une fois dans l'année, une fois par an. Voilà, le but c'est bien de tout vider. C'est pour ça qu'on l'a démarré un petit peu pendant quelques minutes avant pour que le liquide il soit bien, pour que l'huile il soit bien fluide. Voilà. C'est là où ça devient malin, c'est qu'on va pouvoir mettre au même niveau l'exacte quantité. C'est simple et efficace. L'autre morceau de la bouteille, juste ici. Et maintenant, on va pouvoir remplir tranquillement avec l'huile qui est neuve. Et si ça peut vous rassurer, vous constatez par vous-même que la quantité est la bonne. Et on est bon. On remet ensuite le filtre à air, n'oubliez pas. Et voilà, on n'a plus qu'à réactiver la machine.